les amis euh, bonsoir c'est colette voilà comme euh, promis euh, je vous euh, je, je vous avais promis donc de faire euh, cette vidéo alors euh, ce soir donc on est euh, donc le 14 euh, le 14 juillet euh, 2020 euh, je voulais évoquer un sujet euh, euh, qui me tient à cœur puisque bon j'ai vu euh, certains un sujet en tout cas il y en a certainement d'autres mais j'ai un sujet donc qui est sorti euh, euh, il y a quelques jours sur une chaîne une chaîne donc je crois que c'était euh, france 24 alors de quoi de quoi il s'agit donc vous allez vous allez comprendre il s'agit en fait du euh, euh, du sujet des, des enfants qui des enfants euh, métissés hein, métisses voilà euh, euh, ma famille d'ailleurs euh, en, fait, en, euh, en fait partie euh, qui, des, qui ont été euh, euh, malheureusement donc abandonnés euh, par euh, les colons qui étaient là à l'époque. donc on parle donc de, de la période fin euh, 19e siècle jusqu'en jusqu 1960 1960 comme vous le savez qui, euh, qui correspond euh, aux dates d'indépendance, euh, donc, des, 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 des principales colonies euh, africaines, que ce soit le Sénégal, que ce soit Madagascar, euh, que ce soit euh, la Côte d'Ivoire, etc. Alors, si vous regardez un peu dans mon mur, hein, c'est assez discret, mais on peut, vous pouvez donc jeter un, un petit coup d'œil et vous allez voir. Euh, il y a un reportage qui est sorti, je crois que c'était il y a trois jours sur France 24. On a abordé en fait hein, le, le sujet sur les, les, les enfants. Euh, qui sont nés en fait de, 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 de mamans euh, d'origine africaine. Le mot utilisé à l'époque, c'était le mot indigène. Voilà, parce que c'était le mot qu'on utilisait donc à l'époque. Alors, euh, et euh, donc des enfants conçus entre les colons qui venaient donc d'Europe, donc de France, de Belgique. Voilà, mais aujourd'hui, je parle donc des, 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 des colons, euh, des, colons euh, des colons, français, voilà, pour attirer justement l'attention des autorités. Hein, euh, le président de la République, j'ai évoqué tout à l'heure son nom euh, lors de ma première vidéo, donc pour les les, les beignets, j'ai invité volontiers donc le, le président à venir euh, goûter. C'était euh, voilà un, un petit clin d'œil, hein, c'est rien de de de, de méchant, c'est pas non plus pour euh, pour autre chose, mais c'était un clin d'œil, euh, monsieur le président. Donc, je à travers donc vous, mes, mes amis, mais je m'adresse également aux autorités, au président de la république. Alors, on est aujourd'hui, euh, monsieur le président, euh, le, le, le 14 juillet, fête de l'indépendance. Euh, je voudrais attirer votre attention donc sur le sort de ces enfants. Voilà, ça m'a énormément ému et vous allez comprendre pourquoi il y a plusieurs jours donc euh, un reportage sur euh, france 24 donc euh, a été réalisé pour euh, euh, donner la parole justement à ces enfants là qui sont âgés d'ailleurs maintenant hein. le plus ancien donc avait, euh, avait, avait 90 ans passé un hein. monsieur âgé qui parle qui s'exprime très mal très fatigué il était entouré de ses, de ses, de ses petits-enfants euh, de, et de ses arrière-petits-enfants il y avait un portrait bien sûr, du, du, du père supposé de souche française. Voilà. Alors, de, 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 de quoi il s'agit Il s'agit, c'est vrai, aujourd'hui, d'éveiller de, de, justement donc les, 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 les consciences sur la situation de ces enfants. Vous avez des, des, des femmes, vous avez des hommes, certains étaient très en colère, j'ai suivi le, le reportage en début d'après-midi il euh, y en avait un c'était puisqu'il était pas il était il était il était question euh, d'enfants abandonnés de la Côte d'Ivoire mais il en existe au Sénégal et je vais vous donner donc un exemple tout à l'heure alors euh, certains étaient très en colère parce qu'ils estimaient qu'ils avaient été lésés malheureusement par l'état le, 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 français qui n'a pas joué son rôle à ce moment-là alors ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y avait eu des enfants qui avaient été conçus euh, par le papa euh, de souche française, donc un colon, euh, une maman euh, africaine indigène, voilà. Les enfants étaient rarement reconnus. Alors, s'ils l'étaient, dans un deuxième temps, ils étaient dépourvus donc, de, de ce nom d'origine française. Pourquoi Pour la bonne et simple raison que beaucoup donc de, de ces enfants-là étaient repris de force. ils étaient les, 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 les autorités arrivées, les autorités coloniales de l'époque arrivées donc dans les villages arrachaient des mains donc des, 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 euh, de ces enfants à leur famille souvent à leur maman puisque le papa euh, malheureusement n'était plus là. et ils étaient confiés donc dans des, euh, dans des orphelinats. Donc, voilà donc l'orphelinat de benjarville. Euh, euh, dont il est question justement dans ce reportage donc, de, de, euh, de France 24, m'a énormément ému. On a vu euh, une bâtisse très importante, on a vu des enfants qui étaient tout petits, qui étaient apeurés sans doute. Le monsieur de 90 ans a fait un témoignage très fort, il était entouré de ses enfants, malades, etc. Et tout ce qu'il demande aujourd'hui, ce monsieur, c'est qu'on lui octroie ses droits. Alors, il voudrait que l'État français lui accorde la nationalité. alors, juridiquement, aujourd'hui, c'est très, très, très difficile de faire euh, reconnaître ce droit là, pour la bonne et simple raison que euh, ils ont été lésés à deux niveaux. je vous explique tout simplement. dans un premier temps, même si le père de, de souche française avait euh, 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 reconnu euh, son enfant, c'était possible hein? donc voyez si vous suivez mon raisonnement dans un second temps une fois que l'enfant était arraché des bras de sa mère euh, d'origine africaine donc indigène et placé donc dans cet orphelinat l'orphelinat de, de benjarville dont il est question donc en côte d'ivoire l'enfant perdait automatiquement euh, ce nom euh, d'origine française voyez donc ça se faisait en fait en en, en en deux temps voilà alors il était très difficile donc dans ce cas pour l'enfant euh, quand il faisait des recherches puisque ce monsieur dont il est question ce monsieur très âgé donc ne peut plus retrouver justement donc euh, euh, ses parents ils ont écrit donc bien sûr à Nantes Nantes où on peut avoir bien sûr donc des traces donc de cette filiation bien sûr impossible donc de trouver donc cette trace euh, ils ont écrit également donc à, aux archives donc de Dakar. Dakar, je le rappelle à l'époque, qui était la capitale de l'Afrique occidentale française, l'AOF, voilà. Et à ce niveau-là, euh, quelquefois, il y avait des traces. Voilà. C'est le cas notamment donc euh, euh, de, de la famille donc de, de, de cette jeune femme. Si vous suivez donc ce fameux, euh, ce fameux cette fameuse vidéo que j'ai euh, partagée tout à l'heure. Euh, cette jeune femme, donc euh, la maman puisque il s'agissait de, de cette fois-ci de sa maman, qui euh, était la principale concernée, qui était la fille donc de ce colon français. Et cette femme, bien sûr, a été abandonnée. Elle avait euh, celle-là, je crois si j'ai bien compris, hein, euh, donc le, le, cette vidéo pour ce cas-là. En tout cas, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, je le précise. Euh, cette, euh, cette femme a, a, a été abandonnée donc euh, par son papa a été arrachée dans son second temps donc des bras de sa maman indigène d'origine africaine placée donc dans l'orphelinat de de Bingerville voilà et quand euh, elle était à un âge quand elle a souhaité faire donc ses recherches fi de, 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 de filiation euh, elle a écrit donc à Nantes et on lui a dit que son papa était méconnu donc des services euh, des services de l'état civil voilà elle ne s'est pas découragée elle a écrit donc euh, au, euh, au service donc, de, de la cour d'appel de dakar. donc, dakar à l'époque, je le rappelle, euh, capitale de l'afrique occidentale française. voilà. et c'est seulement sur dakar, en regardant donc les archives, qu'on a effectivement retrouvé euh, ce nom-là. voilà. Euh, je ne me rappelle plus de son nom. Il avait, il était connu donc. Il avait également une profession, administrateur d'impôts, donc quelqu'un donc d'assez euh, euh, bien placé, on va dire, en, en notable, si, 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 si on peut si on peut appeler ça ainsi. Voilà. Euh, et on, on leur refuse donc cette nationalité. Voilà. Euh, je vais parler un peu de mes origines, puisque je, je, je sais que bon, je suis suivie un peu partout dans le monde et je, je l'avais évoqué lors de mes premières vidéos en 2015, début 2016. Mais pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais, je vais évoquer un peu mes origines. Je suis née à Dakar. Mon père est né en Guinée-Bissau. Il est né dans une ville qui s'appelle Bafata. Donc BAFATA qui est la deuxième ville donc de la Guinée-Bissau après Bissau donc la capitale, vous avez Bafata. Mon père donc est né donc à Bafata euh, au début des années 30. Voilà. Il a été reconnu légalement euh, par son père. Mon père donc est euh, Carteron si on peut si on peut dire ça comme ça. Moi je suis Octavone parce que je suis euh, sur la lignée euh, d'après. Le père de mon père et un métis euh, de souche française voilà le, 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 la maman de, de, mon, de mon papa est d'origine africaine. c'est une femme qui vient de la région euh, du sud du sénégal, entre le sud du sénégal et la gambie. puisque quand vous regardez la carte du sénégal, vous avez la, la gambie qui s'imbrique au niveau donc, de la casamance, hein, si vous regardez bien. donc ma grand-mère paternelle vient de cette zone, donc sud du sénégal, région donc de la casamance et gambie. alors, euh, pourquoi je vous en parle, c'est parce que j'ai euh, en ma possession euh, le document euh, dont fait référence justement cette euh, cette dame, une des dames, une des proca euh, protagonistes donc de, de, de ce reportage et de, de cette vidéo que je vous ai euh, que je vous ai euh, que, 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 que j'ai partagé donc en début d'après-midi. Alors que dit euh, justement cette dame Elle dit qu'il y avait deux sortes donc de, de de situations. Il y avait une situation. Ou après avoir fait des réclamations au niveau de Nantes et, et de Dakar, donc euh, à l'AOF, l'Afrique occidentale française, vous aviez donc des situations de refus. Alors, on, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, peut-être qu'il n'y euh, avait pas assez de preuves, justement, qui montraient qu'effectivement le, le demandeur ou la demandeuse n'était pas euh, française. Mais il y avait un autre cas. Voilà. Et c'est ce cas-là qui est intéressant, est ce, ce cas-là que je voudrais donc vous soumettre là, dans quelques instants, que je vais vous lire, ce qu'on appelait le jugement supplétif. Alors, de quoi s'agit-il Il, il s'agit en fait d'une un, décision, d'un jugement qui dit, qui dit ceci. Et je vais vous lire donc euh, le document, c'est le document donc de, de ma famille euh, que j'ai retrouvé donc euh, suite à la demande de, de, de certificat de, de nationalité de ma fille qui a été obtenue euh, il y a quelques années. Alors. Donc, est française euh, en application euh, des dispositions de l'article 18 du Code civil. En effet, la filiation de l'intéressé euh, né en France, hein, puisqu'il s'agit là de, euh, de ma fille, est établie à l'égard euh, de sa mère elle-même française en application des dispositions de l'article 17 du Code de la nationalité, donc loi du 9 janvier 1973, comme l'enfant... Euh, dont l'un des parents est français. Donc voilà, moi, mes deux parents sont français, mais bon, c'est pas. Voilà, mais c'est juste. En effet, euh, donc euh, mon père, donc voilà, euh, Borelli, est français en application des dispositions de l'article 17-2 du Code de la nationalité française, ordonnance du euh, 19 euh, octobre 1945, comme enfant naturel, hein, voilà, vous, vous avez bien entendu, hein, comme enfant naturel d'un père. Français, à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie. Voilà. Et c'est très intéressant ce qui va venir après. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, mon grand-père, M. Borelli, est français. Au terme de la décision sus-visée, qui lui a reconnu la qualité de citoyen français, pour être né de mère, voilà, dont le nom est marqué, et de père, écoutez bien, légalement inconnu, mais présumé d'origine française, virgule de souche européenne. Ça, c'est très, très intéressant. Vous savez pourquoi, euh, les amis et, et aux, autorités, hein, aux autorités, je m'adresse je, également aux autorités, j'ai demandé à ce que euh, le président de la République euh, puisse avoir donc, cette vidéo. Cette mention-là est très intéressante. Donc, père légalement inconnu, mais présumé d'origine française, de souche européenne. C'est ce qu'on appelle, euh, c'est ce que cette dame tout à l'heure dans cette vidéo a appelé euh, le jugement supplétif. C'est en fait des, des, des documents qui, après bien sûr remise de, de documents qu'on qu vous demande, voilà, il y, a, il, y a, il y a très longtemps, puisque mon, mon grand-père euh, euh, qui, a, qui a eu cette, ce, ce certificat-là est né en 1904. Donc, vous voyez, c'est c'est très vieux. Là, on a dit que c'était des gosses qui étaient nés à la fin du 19e jusqu'en 1960. Mais mon grand-père, voilà, euh, métis français, donc euh, mon grand-père, mon, mon arrière-grand-père était d'origine corse, je tiens à le dire, Borély. donc c'est d'origine corse, voilà, et euh, est arrivé donc euh, en Afrique certainement à la fin du 19e siècle, voilà, comme le, le cas des, des enfants orphelins donc de, de Bergerville, hein. Et beaucoup d'autres enfants métis euh, d'Afrique de l'Ouest et et et, 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 et d'Afrique centrale, voilà, euh, on n'est pas on n'est pas seul. C'est pour ça que je, je veux attirer vraiment le 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 l'attention donc des autorités euh, et tout. Nous, on a eu cette chance là, on a eu ce jugement là, parce que peut-être que nous étions donc à Dakar. Je signale que mon arrière-grand-père, donc qui venait, euh, donc de, qui, qui, qui voyageait puisqu'il était commerçant, donc à l'époque, on a des administrateurs, on l'a dit tout à l'heure, il y avait des députés, il y avait euh, 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 beaucoup de gens, des, des Européens qui étaient là, c'était le cas, donc de, de mon arrière-grand-père. Donc il faisait lui, il faisait du commerce, donc il a voyagé, donc entre la Casamance, voilà, euh, euh, particulièrement à Seyou, puisque mon grand-père, euh, donc en 1904 qui est né euh, au début du 20e siècle lui est né donc euh, dans la ville de Seydou. Seydou, donc pour les gens qui ne le savent pas c'est dans la région de la Casamance au sud du Sénégal c'est euh, voilà on va dire du côté de de je ne sais pas euh, je donne juste les 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 les, les connaissent bien Velingara etc voilà toute cette zone là donc vous avez euh, quand vous arrivez donc au sud, euh, quand vous voulez aller donc en Gambie, parce que j'ai fait en fait ce, ce voyage il y, a, il, y a, il y a trois ans de ça, je voulais découvrir un peu. Je suis allé en Gambie, je suis allé donc euh, au sud justement, je connaissais pas. On m'a dit tiens collègue tu vois ici c'est c'est euh, tu penses ici c'est Velingara ici euh, etc. Donc vous voyez c'est là c'est cette zone là. Donc ils étaient donc dans cette zone, ils étaient dans la zone où, euh, euh, sud sénégalaise donc, la, 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 la zone, donc, gambienne, mon, mon arrière-grand-père, grand-mère euh, grand paternelle, venait également donc, de, de cette zone, elle venait donc de la gambie, etc. tout ça pour dire que, effectivement, vous avez euh, aujourd'hui euh, deux, deux cas de figure. vous avez donc ce cas de figure où on a octroyé ce qu'on appelait les jugements supplétifs, comme euh, pour le cas, donc, de, de mon grand-père, qui est né donc, en 1904. voilà. et le cas... Des autres, malheureusement, qui, eux, n'ont pas eu cette chance. Ils n'ont pas eu cette chance parce que, tout simplement, ou euh, il y a eu un défaut d'archives au niveau donc, de notes, ou alors un défaut d'archives mal classées. On a dit, tout à l'heure, j'ai lu la vidéo. Si vous voulez, donc vous lirez donc, la vidéo. Ou alors, euh, des archives qui ont simplement disparu. Voilà, disparu. Euh, disparu. Tout simplement parce que les archives n'étaient pas bien entretenues, elles étaient euh, peut-être euh, mises dans un coin où euh, on ne s'en occupait pas, détruites peut-être par les intempéries, par l'eau, etc. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes, que ce soit en Côte d'Ivoire, les enfants orphelins de Benjarville, que ce soit euh, au Sénégal également, euh, que ce soit. Euh, des orphelins d'afrique centrale et un peu partout sur le continent africain puisque vous aviez donc la france qui a eu donc le monopole donc de toute cette colonie de toute cette zone madagascar vous avez également je ne pourrais pas vous les citer mais on les connaît les pays francophones ce que je, 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 euh, je veux dire c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, monsieur le président, messieurs donc, les autorités en charge euh, donc de ce problème très délicat, ce problème de nationalité, donc octroyé aux anciens euh, 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 aux colons euh, d'origine française, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de faire un geste politique parce que maintenant, il s'agit d'un geste politique. On n'est plus maintenant dans le juridique. Ce n'est plus possible de le prouver. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus d'archives. Les archives sont ou perdues, ou mal classées, ou alors détruites par les intempéries. C'est des vieux documents. Mon grand-père a eu euh, cette chance. Mais ce n'est pas. C est, c est, c est, cette chance n'a pas été octroyée à tout le monde. Voyez ce que je veux dire. Moi, je sais que même euh, 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 au, au Sénégal, j'ai connu, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ça m'a beaucoup touchée quand j'ai vu donc, ce, 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 cette vidéo sur les orphelins de, de, de Bingerville. Vous avez, vous avez beaucoup de souffrance, beaucoup, énormément de souffrance. Vous avez eu des vies qui ont été euh, mais détruites, il faut le dire. Le cas de cette femme. Euh, je crois c'est la famille reinhardt euh, voilà qui y a des ancêtres français elle était petite-fille d'un grand député français de, de, de l'époque coloniale alliée avec les grandes familles françaises de rothschild les familles banquières si cette femme avait pu avoir accès à sa nationalité française elle aurait fait beaucoup de choses on a vu également dans cette vidéo tout à l'heure des témoignages très forts avec beaucoup de douleur monsieur le président pour dire que j'ai hérité des terres de mon papa en france mais je n'ai pas la nationalité française voyez comment c'est difficile il n'a pas la nationalité française mais il a hérité des, des terres de son papa pourquoi parce que tout simplement il a expliqué que euh, son papa ne connaissait pas bien la loi à l'époque. Peut-être qu'on a dû mal le conseiller, peut-être qu'il n'a pas pu faire les papiers à temps. Son papa est décédé euh, par la suite parce que c'est un monsieur qui est âgé aujourd'hui. Est-ce que ce serait possible de faire un geste, Monsieur le Président Sur le plan juridique, ce n'est plus possible. Il n'y a plus de preuves. Est-ce qu'une décision politique possible pour aider ces pauvres gens ce sont des ce sont des gens qui sont âgés vous avez donc le, le cas euh, euh, du monsieur qui a plus de 90 ans regardez donc la vidéo que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai posté tout à l'heure vous avez le cas de cette femme qui a 77 ans elle est restée toute sa vie euh, dans son village elle a pris soin de sa maman et elle a expliqué d'ailleurs l'histoire de sa maman une maman qui a beaucoup souffert elle a expliqué comment elle a été conçue c'est une histoire mais très triste. Elle a expliqué que sa maman avait été donnée comme cadeau, euh, très jeune, entre 15 et 16 ans, à un colon français qui venait de débarquer dans le village. Parce que ça se faisait comme ça à l'époque. En français arrivé, les français étaient les rois, comme vous le savez. Ils étaient les rois. On voyait quelqu'un débarquer, un intellectuel qui, qui impressionnait tout le monde. Vous aviez des villageois, analphabètes pour la plupart. Et on lui a donné en cadeau une femme. Pour quelques jours. La femme s'est retrouvée enceinte. Elle a accouché. Et elle a été mise, bien sûr, au banc de son village. Elle, a, elle était honteuse. Elle a été montrée du doigt et elle a été obligée donc de quitter ce village. Si vous lisez bien euh, ce, euh, cette vidéo euh, euh, tout à l'heure, euh, c'est une histoire, mais triste. Et c'est bien des années plus tard quand cette dame, qui a 77 ans aujourd'hui, a fait des démarches elle s'est aperçue qu'effectivement qu'elle était en réalité la petite fille de monsieur Reynard, un grand député de l'époque coloniale. Aujourd'hui, tout ce que euh, ces personnes veulent, c'est juste qu'on leur donne leur papier de nationalité, monsieur le président. Moi, j'en appelle en ce jour, en ce 14 juillet, jour de fête nationale. Si vous avez l'occasion de voir euh, ma vidéo, si quelqu'un peut poster donc cette vidéo pour Monsieur le Président de la République, que le Président soit sensibilisé par rapport à ce problème. Ce sont des, des, des personnes qui ont vécu dans la douleur pendant toute leur vie. Ils n'ont pas été reconnus. Ils ont été arrachés à leurs parents, à leur maman en général, puisque le papa malheureusement donc n'était plus là. Il y a eu aussi un autre témoignage où euh, la, la, la jeune femme a expliqué qu'elle a été ballotée euh, dans son enfance de maison en maison. Elle, elle devenait donc l'enfant caché parce que c'était un secret, un tabou. Elle ne pouvait pas être montrée parce que tout, tout simplement, elle était l'enfant. Ce n'est pas un mot euh, agréable à dire aujourd'hui, mais il faut le dire parce que ce sont ces termes-là qui ont été employés. C'était les enfants bâtards. C'est un terme, mais péjor, euh, très péjoratif, insultant. Mais moi, je le dis avec beaucoup de respect. Parce que je sais qu'à l'époque, quand on employait ce terme, un bâtard, vous aviez euh, toute la honte euh, du monde euh, sur votre tête. Quand on disait, toi tu, es, euh, euh, tu es, toi, tu es un bâtard, ou toi, tu es une bâtarde, ça, ce n'était pas bien. Ces enfants-là ont vécu dans la honte. Ils n'avaient aucun droit. Moi, je demande vraiment à ce que les autorités puissent faire un geste. Légalement, au niveau de la loi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est plus possible. Nantes n'a pas de documents au niveau de Dakar capitale de l'Afrique occidentale française, il y a eu quelques documents. Mais euh, pour certains cas, ils n'ont pas pu avoir la nationalité qu'ils souhaitaient. Pour d'autres, comme le cas de mon grand-père, né en 1904 à Seydou, au sud du Sénégal, lui, il a eu une issue favorable. Parce que certainement son papa... Qui, était, euh, qui, 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 qui aimait beaucoup donc, son fils, donc, euh, machin, a fait donc le nécessaire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans le cas également de, 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 de ma famille, c'est pour ça que j'ai tenu donc à vous parler également de mon cas. Il y a eu également beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Alors, est-ce que. Euh, C'est un problème de, de, de documents perdus, ça on ne le saura jamais. Dans la famille paternelle, la famille donc de mon, de mon papa, vous avez également une partie qui dispose de ce fameux certificat de nationalité, mais d'autres ne l'ont pas. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Je profite juste de cette vidéo, je, je ne parle pas en mon nom, mais je parle de mon exemple. Je suis sûr que beaucoup d'autres familles, que qu'elles soient sénégalaises, qu'elles soient ivoiriennes, qu'elles soient euh, congolaises, euh, guinéennes, maliennes, euh, burkinabées ou autres, ont vécu donc, euh, ce, 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 ce cas-là. Mais moi, je parle de mon cas parce que c'est un cas concret que je peux vous exposer. Mais je suis sûr que beaucoup d'autres familles africaines sont dans ce cas-là. Vous avez des familles, en tout cas moi, dans la mienne, ça, 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 ça s'est passé comme ça. Une partie a eu sa nationalité et d'autres non. Et on ne sait pas pourquoi. Pourtant, mon grand-père avait un, un, un document en bonne et due forme. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, euh, j'ai discuté, enfin, c'était il, 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 il y a quelques temps, bien avant qu'on qu parle de ce sujet sensible. Je parlais avec un de mes oncles, qui, qui est un des, qui est le, plus, qui est le plus âgé, puisque les autres sont, sont décédés. Euh, voilà, mon, mon papa également est décédé il y a, il y a une vingtaine d'années. Mon, mon oncle, l'oncle dont je vous parle, est en train de faire justement des démarches pour ses nationalités. Et il n'a toujours pas eu gain de cause. Voilà. C'est juste ça. Mais euh, bon, mon cas euh, euh, est un cas parmi tant d'autres. Mais ce fameux jugement supplétif, euh, c'est vrai que c'est une denrée, mais extrêmement rare. Voilà. Quand les, les, les arrière-grands-parents ont fait donc, le nécessaire, quand ils ont, ils ont tenu mord, mordicus à, 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 à donner leur nom, à reconnaître donc leurs leur, 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 leur enfants, mais ça, c'était euh, extraordinaire, quoi. Voilà. Mon, 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 mon grand-père, en fait, n'était pas dans le cas des orphelins de Benjarville. Lui, il n'a pas du tout été placé, il est resté, par contre, avec son papa. Par contre, ce qui s'est passé après, c'est que, bon, euh, il n'est pas resté, justement, en Afrique. Il y a eu, quelque part, euh, aussi, un abandon. Alors, ce qui s'est passé, on nous l'a raconté après, c'était mon père euh, qui, qui, qui nous l'a raconté après. L'arrière-grand-père, en fait, ne pouvait pas ramener son fils en Corse. Et ça c'est une histoire très douloureuse. Pourquoi Parce que simplement il y avait le problème de l'acceptation des enfants métis. Le problème du racisme. Voilà. Les enfants métis n'étaient pas acceptés. Il était gravement malade. Il est rentré en France. Et il a laissé son épouse africaine et il a laissé son fils, mon grand-père. Et c'est un cas qu'on retrouve un peu partout. C'est. Ce sont des histoires très très tristes. Mon cas, comme des milliers de cas, de, du début, du, de la fin du 19e siècle jusqu'en 1960 on a des milliers, des centaines de milliers de cas. Aujourd'hui, je, 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 je le dis, il n'y a plus de preuves. C'est beaucoup trop ancien, c'est beaucoup trop vieux. Les archives de l'Afrique occidentale française, donc à Dakar, donc à la cour d'appel de Dakar, beaucoup d'archives ne sont plus exploitables. Il y a eu les intempéries. Il y a eu le mauvais classement donc, des archives. Moi, je connais bien ça, j'ai travaillé aux archives. Donc, euh, j'en sais quelque chose. Quand vous avez euh, des boîtes ou classées, si vous classez mal en dossier, vous avez beau remuer ciel et terre. Il y a de très, très peu de chances qu'on retrouve donc ces, ces documents-là. Alors, je ne vous dis pas donc, les, des, des, des documents qui datent de, 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 de plus de 100 ans. Mon grand-père est né en 1904 lui il fait partie vraiment des euh, des miraculés parce que simplement il y a eu euh, euh, ce jugement là donc qui a été fait il a été reconnu par son père ils ont fait donc le nécessaire et bon il n'a pas été abandonné tout de suite tout de suite mais euh, voilà mais il a eu quand même donc le temps donc de faire les papiers quelquefois euh, ce n'était même pas de la mauvaise volonté il y a eu des cas, c'est vrai que chaque cas est différent, c'est pour ça que je demande peut-être aux autorités de, 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 de voir s'il n'y aurait pas euh, possibilité d'examiner, euh, de, de faire, euh, euh, d'examiner chaque cas par chaque cas, peut-être éventuellement. Voilà. Il y a eu des cas où c'est vrai qu'il y a eu abandon, donc des enfants métis, voilà, abandon, non, euh, abandon pur et simple de d'un jour à l'autre le papa disparaissait on ne le voyait plus voilà plus de nouvelles etc on savait que il était peut-être dans, dans le secteur mais on n'avait plus de nouvelles les, les, les mamans étaient souvent an, euh, analphabètes voilà elles n'étaient pas éduquées elles n'avaient pas de soutien financier et souvent elles étaient rejetées par leur famille parce que beaucoup n'étaient pas mariés il faut le dire quand c est, c est les, les colons arrivaient voilà on leur donnait souvent euh, 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 des femmes, des femmes autochtones, des femmes indigènes, comme on disait à l'époque. Et ces hommes-là étaient mariés déjà en métropole. Beaucoup, en tout cas, ils l'étaient. Certains peut-être ne l'étaient pas, mais beaucoup, quand même, l'étaient. Voilà. Moi, je. je, je ma vidéo d'aujourd'hui n'est pas du tout euh, pour juger. Je, euh, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. On respecte d'ailleurs beaucoup. Euh, on a du respect parce que euh, on, est, on est toujours lié d'une manière ou d'une autre quand même euh, au continent européen. On a tous euh, des souches françaises, que ce soit moi, que ce soit euh, quelqu'un d'autre, etc. On a tous des souches. On est, on est entre les deux cultures en fait. Voilà, ma mère est Martiniquaise, mon, mon, mon arrière-grand-père était français, euh, euh, mon papa donc est métis, etc. Voyez, euh, etc. Voilà, on est tous euh, on est tous donc des deux côtés quoi. On n'a pas de jugement, on, on ne critique personne, mais ce qu'on demande, là, si je, je peux me permettre, euh, euh, messieurs donc les, 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 les personnes euh, de l'autorité, monsieur le président, voilà, de la République, en ce 14 juillet 2020, c'est de faire un geste, un geste politique, voilà, se dire que ce n'est plus possible d'établir des preuves, puisque dans le domaine juridique, il faut des preuves. Les archives ne sont plus exploitables. Les archives de Dakar, en tout cas, elles ne sont plus exploitables. Il y a eu des intempéries, il y a eu des pertes, il y a eu des mauvais classements. Donc, euh, tout ce que ces personnes demandent, c'est qu'on puisse juste leur octroyer leur nationalité française pour qu'elles puissent aussi, à leur tour, en faire profiter à leurs enfants et éventuellement à leurs petits-enfants. En tout cas, moi, c'est ce message-là que moi j'ai ressenti tout à l'heure à travers la vidéo. Certaines personnes étaient en colère, voilà. C'est, 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 c'est normal. Certaines étaient très tristes. Elles étaient lourdes, notamment la dame euh, qui, qui a découvert qu'elle était euh, la petite-fille euh, du grand administrateur euh, euh, de de, 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 de l'administration connelal, le monsieur, euh, je crois, c'est la famille Renard, voilà, euh, alliée aux grandes familles Rothschild, quand même. C'est quand même. Euh, voilà, c'est un exemple euh, vraiment édifiant, quoi. Voilà. Le, le, le but de, de, de ma vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de, de faire un geste. De faire un geste, d'apaiser de, 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 vraiment euh, la douleur donc, euh, de ces personnes, parce qu'elles sont vraiment dans la douleur. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je me suis dit, je vais faire une vidéo pour qu'on euh, qu puisse quand même euh, avoir une pensée euh, pour ces personnes. Voilà. Voilà. On est, on est le 14 juillet, monsieur le Président. Est-ce qu'on euh, ne peut pas faire un geste Est-ce qu'on euh, peut, on peut, on peut penser à ces pauvres personnes-là Elles ont tout perdu. Elles ont tout perdu. Une fois qu'elles étaient amenées, que ce soit sur Benjarville ou dans les autres ou dans les autres, euh, 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 ou dans les autres orphelinats, parce que là, il était question donc de l'orphelinat euh, de Benjarville, ces personnes-là. Était, on enlevait carrément le nom français et on mettait comme nom de famille le prénom de la maman. Vous vous rendez compte? C'est quand, quand même fort. Et vous avez des garçons, la dame l'a expliqué tout à l'heure, euh, voilà, qui se retrouvaient carrément, donc, avec euh, comme nom de famille, un prénom féminin. Là, c'est un peu. Oui, c'est un peu. Je ne sais pas quoi dire là. Ouf! C'est un peu chaud quand même. Voilà. Donc, euh, elles étaient quand même spoliées, euh, spoliées donc à, à plusieurs niveaux. On vous dit, euh, oui, euh, tu as été abandonné par ton père, etc. On t'amène après dans un, euh, dans, dans un orphelinat, euh, géré donc par l'administration française, etc. Euh, Spolié donc de ton nom euh, français quand ton père t'avait euh, euh, reconnu. Bon, bah, c'est un peu. C'était dur quand même, c'était dur. Et beaucoup se sont retrouvés donc dans ce cas. Voilà. Mais euh, c'est ce que je tenais à dire. Je, je sais, ce n'est pas, pas grand-chose. Je ne suis pas une spécialiste du droit, mais bon, euh, ce jugement supplétif-là, dans notre famille, certains l'ont eu. Voilà, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Et les, et, les, et, les, et les recherches au niveau de Dakar, à, 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 à la Cour d'appel là, pour l'AEF là, c'est compliqué quoi. C'est compliqué, voilà. C'est pas, pas exploitable là. Il y a eu des intempéries, c'était mal classé, etc. Euh, on peut plus retrouver donc euh, de, de traces, de traces. Maintenant, j'en appelle à, au président pour faire un geste, parce qu'il euh, a comme ça maintenant qui peut, qui peut débloquer euh, la situation. Voilà. C'est beaucoup de souffrance, Monsieur le Président. Beaucoup de souffrance. Voilà. Vous avez des gens qui ont vécu euh, seuls dans leur coin, à s'occuper de leur maman, puisqu'en général, les mamans se retrouvaient seules, analphabètes, sans moyens, rejetées par leur famille la plupart du temps. Très tristes, honteuses. Voilà. C'est... peut-être le moment de, 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 euh, pour elles euh, d'avoir un petit... un petit... Un petit réchauffement au cœur. Voilà. En se voyant rétablir donc dans leurs droits de citoyens français. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste du droit. J'espère juste que je pourrai aider à ma manière. Donc voilà, ces personnes, ça m'a énormément touchée parce que moi également, j'ai une histoire donc par rapport donc, euh, donc à cette situation. Voilà. Mon grand-père euh, a été également donc métisse. Euh, voilà, né au, au début du 20e siècle, a été reconnu et a bénéficié de ce qu'on appelle donc le jugement supplétif. Voilà, je, je vais vous le relire hein, pour les personnes qui n'avaient pas eu donc cette vidéo-là. Voilà. Alors, monsieur, euh, voilà, un tel Boréli euh, est français au terme de la décision suvisée qui lui a reconnu la qualité de citoyen français pour être né de mère, voilà, le, le, le prénom et le, et, le, et le nom de famille de ma, de ma grand-mère paternelle, et de père légalement inconnu, mais présumé d'origine française, virgule de suche européenne. Voilà. Ce sont ces, ces, ces quelques mots qui lui confèrent le droit à, la, à sa nationalité française. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup d'enfants de, 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 métis, comme mon grand-père, que ce soit à Dakar, que ce soit dans les autres régions donc, euh, du Sénégal, que ce soit euh, en Côte d'Ivoire, donc les, les enfants orphelins donc, de Bergerville, hein, voilà, vous aurez l'occasion de regarder euh, la, la vidéo que j'ai partagée en début d'après-midi, que ce soit en Afrique centrale, beaucoup sont dans ce cas-là. Donc en ce 14 juillet, voilà, je lance donc un appel aux autorités, à Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron, de faire un geste, un geste politique cette fois-ci, puisque sur le plan juridique, malheureusement, ce n'est plus possible. Il n'y a plus de preuves pour les demandeurs et les demandeuses. Voilà. Monsieur le, le Président, s'il vous plaît, aidez ces personnes si vous le pouvez. Ils ne demandent qu'une chose, c'est bénéficier donc de leurs droits légitimes, avoir donc la nationalité, si vous pouvez faire un geste. Voilà. Je vous remercie, mais, mais les, 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 ah, je vous remercie donc les amis, ceux qui ont eu le temps donc de regarder cette vidéo. Bien sûr, je vais partager dans les groupes parce que c'est un sujet assez sensible. Ça nous concerne tous, hein, ça nous concerne tous. Voilà, euh, euh, que ce soit les enfants métis, que ce soit d'autres enfants euh, en Afrique, etc., euh, à Madagascar, partout, nous sommes tous euh, concernés. Voilà que ces enfants ne demandent qu'une chose, ils sont très âgés aujourd'hui, ils, ils ont entre 70 et 90 ans, ils ne demandent qu'une chose, c'est être rétablis dans leurs droits de citoyens français. Ils ne demandent rien d'autre. Voilà. Je demande aux autorités, donc, de faire un geste. Les amis, merci beaucoup, voilà, de, 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 de votre écoute. C'était euh, vraiment un petit, un petit coup de cœur, donc vraiment pour euh, cette vidéo de tout à l'heure euh, qui m'a fait... Euh, qui, qui m'a fait repenser quand même à tout ce que ces personnes-là ont vécu. Voilà, depuis euh, le, 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 euh, la fin du 19e jusqu'en 1960. Et ils sont des centaines de milliers, donc dans ce cas. Voilà. Je vous remercie. Merci encore. Et euh, je sais que je peux compter quand même sur le président, le président Macron, qui, je l'espère, va pouvoir faire un geste. Voilà. Merci à tous. Et bonne fête euh, euh, du 14 juillet. À très très bientôt, les amis. Merci. Au revoir.